Salut à tous, Tochi. J'ai oublié de mettre ma boule 2 secondes. Hop, salut à tous, Tochi pour la suite de Pixel. On est en forme, on va pas s'énerver. Promis. Enfin non, je vais pas promettre parce qu'après vous allez dire que je respecte pas mes promesses. Ce qui va être sûrement vrai. Donc oui, deuxième légendaire. Pareil pour le deuxième légendaire. Par contre, ouais, j'ai plus beaucoup d'objets de soins, il me semble. Si ça va. Non. 15. Je devrais utiliser mes whisky sur l'autre noob. Ah non, j'ai quand même 50 élixirs. Non, ça va. Easy, easy. Easy, easy. Donc ouais, cool. Ouais, cool. Donc ouais, bientôt niveau 100 là, le chef, le capitaine, bientôt niveau 100. Ça se fête. Moi je dis ça se fête. Mais pourquoi c'est si long là? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je me suis trompé, ouais. Donc engage, donc le plus rentable on a dit c'est de les laisser venir, même si ça dure 30 secondes. On va se réfugier. On va se réfugier et on va les laisser venir. C'est marrant que je suis déjà à 95% d'HP PV quand même. Oh putain. Pourquoi il est super lent comme ça? Dans 5 secondes, 7 secondes ils viennent. Non mais venez ici. Putain, quelle bande d'abrutis quoi. Voilà, il s'en prend encore un deuxième ce con. Bref. Voilà, ils viennent et c'est bon, easy. Non mais pourquoi tu te mets au bord? Bon, j'espère que personne ne va se suicider hein, cette fois. J'espère que personne ne va se suicider. Donc c'est bon, je peux AFK. J'ai AFK. Premier streamer qui est AFK durant ses vidéos. J'ai au moins ce privilège là, hein. Vous êtes d'accord? Hop, on a mis bien ma gueule, vous avez vu ma gueule? Les cheveux, ça pousse et tout. Bah bon, j'ai rien à dire, hein, désolé. Il n'y en a qu'un seul qui est. Il n'y en a qu'un seul qui s'est échappé, voilà, one shot. Non mais. Et on se casse. Il n'y a déjà plus beaucoup de bouffe. Il n'y a déjà plus beaucoup de bouffe. Alors, il y a une ville ici. Il y a pas mal de villes, mais je vais me faire les combats plutôt. Ah ouais, bien vu le jeu, bien vu, Plunder. Donc, quel niveau? Quel niveau le noob? Niveau 25, ouais, ça serait bien qu'il soit de minimum niveau 40, mais bon, niveau 40, ça va mettre des années. Je devrais mettre tout en intel. Oh putain, il avait des niveaux en plus. En plus, je lui ai rien appris, ce con. Il connaît rien, combat focus, tout ça, rien du tout. Si, combat focus, il connaît, je crois. Niveau 100, c'est la fête et il continue à gagner de l'expérience, regardez. La barre continue de monter, donc niveau 100, ce n'est pas le niveau max.
Il a 18 points de talent. Ouah, ça fait combien de temps que j'étais pas arrivé ici? Donc on va mettre 130 d'intel. Est-ce qu'on continue à mettre dans l'intel? Ça reste. On va mettre 50 d'agi juste. Voilà, que ça soit un multiple de 5. La fascination de l'homme à avoir des multiples de 5 ou de 10, je sais. Pourcentage de crit, ça augmente de combien? Un chance. Ah, quand même, hein, ça aussi c'est rentable. Un point en chance augmente de 1 pourcentage. Enfin, de 1% les chances de critique. C'est pas mal du tout quand même. C'est quand même pas mal du tout, je trouve. Hein. Vous mettez genre à 50% de chance, c'est juste 50 de chance. Enfin, c'est juste 50 de chance quand même. Mais je trouve ça assez rentable. Il y a plein de stats que je mettais pas qui sont assez rentables en fait, en fin de compte. L'esquive et tout. Là, lui, il avait pas 50% d'esquive. Ouais, c'est pas des pourcents, je sais, faut que j'arrête de dire ça. Voilà. Moi je les mets un peu au pif en fait, je m'en fous un peu. Pas vous mentir. Dans Engage, on s'enferme. Dommage qu'on peut pas leur dire de tenir la position par exemple. Tiens, y'en a qui est vénère. Vénère des terres sévères. Et on. Ouais, je peux pas leur dire de bien rester ici. Mais bon, on suppose que c'est bon là, ils vont plus nous envoyer de boulets, ils vont venir nous aborder. Plutôt cool. Donc j'AFK. Mais non, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, je m'énerve pas. Je m'énerve pas, mais j'arrive. Le mec qui se suicide, quoi. Mais putain, mais. Oh la vache. J'en peux plus. En plus, j'avais mis mes TP et tout. Oh là 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 là. Bon, je les mets pas. M'en fous. Et vu que j'ai la flemme de les bouger, on va les laisser faire ce qu'ils veulent, voilà, pendant 30 secondes. J'ai mis une musique de l'angoisse. On va essayer quand même d'accélérer un peu ça, changer un peu ça. Ah, j'ai que des musiques de l'angoisse. Bon, là, j'ai AFK, hein, je suis en train de changer les musiques. Vous pouvez m'insulter, je sais, les pouces rouges. Je veux des pouces rouges là. Non, mais franchement, les pouces rouges, je les mérite. Je sais, FK, tout ça, bon. Bah c'est le jeu, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je voulais finir le jeu sur YouTube. Le problème, c'est que ce jeu, il est trop long. Il est trop long à finir, quoi. Donc pour finir le jeu, il faut FK, je suis désolé, sinon la santé mentale est atteinte. Ah, y'a un mec vénère encore. Je crois que j'ai encore mis des musiques de l'angoisse absolue. Ça a l'air pas mal ça. Ah, mais attendez, ça se trouve la musique est beaucoup trop. Non, ça va. La musique est assez. Je mets pas la musique trop fort en général quand même. Ça se tape vénère quand même, ils ont combien de points de vie là? Non, c'est bon. Oh!
Ils sont en train de se battre encore? Ah non, ils sont en train de nettoyer, ouais. Hein, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Salaire. Ah! Je m'en mets bien. Hop! Ok, on se barre, Plunder. Petit Danger 5. Petit Danger 5, et je vais rechanger cette musique en attendant qu'il se balade. Musique de l'angoisse absolue. Ah, ça a l'air mieux ça, déjà. Ça a l'air plus de ressembler à une musique, quoi. Oh, ils sont les Danger 5, je peux directement y aller avec mon chef, je pense. Non mais... Non mais... Aïe! Ils se sont visés eux-mêmes, j'ai l'impression. Non, la caméra, je suis tout blanc. J'ai pas super beau dehors, c'est bizarre. Pas trop de luminosité. Je suis vraiment tout blanc. Ah, attendez. Peut-être régler un petit truc. Je suis un peu moins blanc là. Un tout petit peu moins. Ah, bête de musique. Musique relaxante pour ce jeu. Il en faut vraiment. Non mais le nombre de pirates qu'on a buté quand même, tout au long de la vie. Tout au long du jeu, plutôt. C'est tout au long de la vie quand même. Pas exagéré. Et on se casse. Alors voyons voir. Est-ce que je prends cette ville avant? Sans passer par l'île. Après je fais tac comme ça. Je crois que je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Histoire de trouver peut-être quelques... quelques livres. Après j'irai juste m'aborder sur l'île à côté pour sauvegarder et ça sera le combat contre l'autre légendaire. Par contre il sera que niveau 26 ce connard et il sera 300 PV, ça va. Ça va quand même moyen mais bon. Bref, c'est vrai que c'est un peu... C'est pas beaucoup 300 PV. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. AFK. Attends, mais pourquoi ils sont deux à avoir une hache? Il y a un autre mec qui a une hache. Je sais que l'autre, je lui mets une hache parce que... Ah non, c'est bizarre. Ah non, il y avait mon capitaine, ouais. Ok, j'ai rien dit. Lui, je lui ai pas appris fishing, c'est pour ça que je, lui laisse à... je le laisse avec une hache. Qu'avons-nous? Ah oui, c'est une île ici. J'ai cru que c'est... Enfin, c'est une ville, justement. J'ai cru que c'était une île. Et il n'y a pas de... Il n'y a rien. À la limite, je peux me libérer des armes que j'ai eues. Prendre un peu plus de bouffe.
Je me fais brecher, voilà. Bye, non, c'est bon, on a déjà tout au max. Combat de fishing rod, non? De la bouffe. Regardez tous les wood blocks, si je vends tout, je me fais quand même 800. Enfin bref. Bye. 6 biscuits, non, c'est off soup pot. Voilà. Allez, on se barre, on se barre. J'en ai combien maintenant? Je dois en avoir un tas. Ouais, 20 et 50 poissons. Je limite quoi finir le jeu avec ça. Fishing qui est pas si rentable que ça. À un moment, j'avais trouvé que j'étais. Je pouvais dépendre seulement des poissons, mais en fait, pas du tout. Et en fait, pas du tout. Donc, je vais juste sur cette île pour sauvegarder. Oh, j'ai envie de gagner des niveaux quand même, parce que l'autre là m'énerve un peu. Avec son niveau, avec ses 300 PV là, je le sens mal un peu. Je lui mettrai les pourcentages d'esquive. Je lui mettrai les pourcentages d'esquive. Bon, j'arrive qu'à, hein. Vous avez l'habitude. Land ahoy. Land ahoy. Musique de la relaxation absolue. Alors, putain, j'ai un petit bug là, fiche. Un petit bug d'affichage. Donc, ils viennent nous aborder, ça c'est cool. Il y a des bones, donc encore du combat et un coffre. Ah, il y a des mecs vénères. Il y a Broly. Un mec des terres sévères vénères. J'ai un bug d'affichage avec le fiche, donc je vais sauvegarder et relancer le jeu juste pour ça. Après ça prendra 12 secondes, hein. Vous en faites pas. T'as pas trop avec sa canne à pêche, c'est inadmissible. Tu dois t'affaire un peu plus fort quand même. Bon, allez, le capitaine. À l'abordage. Non mais genre un point de vie quoi. Tortoise Brian. Allez, tape. Les bones, donc on va se faire aggro par beaucoup de mecs. Les squelettes.
Ok. Putain, il saigne, mais c'est pas le moment de saigner maintenant. Ah, j'ai un mec qui est mort? Non. L'histoire est en train de se superposer. Ouais, j'ai payé tout le monde. Voilà. Payer tout le monde. On va mettre le noob dans un groupe à part. Voilà, custom. Ce qu'on va faire aussi, c'est qu'on va... voilà, je vais équiper mes mecs tout de suite et je vais mettre leur TP aussi. Donc avec le chef, on a dit, ça serait bien d'avoir ouais, de la chance. J'ai combien de points là? Je vais tout mettre en chance. Voilà, 25% de chance de critique. Je vais lui mettre en plus, non, je vais leur mettre tous immunité to canon. Avec leur hache bien évidemment. Et le chef, il a une hache niveau combien? Niveau 32 c'est tout? Attendez, c'est pas possible. Ah ouais, je m'étais trompé. Je m'étais trompé. Donc lui, hache niveau 30. Hache niveau 20. Tac. Hache niveau 13. J'ai pas mis sa culotte. Il manque des haches. Ah non, il y en a un qui a une hache en trop, vu que j'en ai en plus. J'avais plus le nombre d'haches qu'il faut, donc il y en a un qui sera en mode Viking Spear. Pratiquement le même nombre de dégâts. De toute façon. Tac. Et voilà. Et c'est quoi ça? Attaqueur Gek Nocte. Ah, 5 agilités on compte you. Ouais, bon, sinon j'ai que de la merde. Alors, ouais, bah c'est bon, je les ai tous équipés. Toc. Faut que je leur mette leur TP. Alors, est-ce que je mets la chance à tout le monde? Je pense que je vais faire ça. Enfin, tous mes gars forts en tout cas. Lui, il est pas très fort. Plutôt besoin d'autre chose. Un tel, on va plutôt te mettre en vie. Lui aussi, vie. Tac. Et le noob, alors, le noob, faudrait bien réfléchir à ce que je lui mets en esquive. Il a déjà 20% de chance d'esquiver. Il a que 9 points. Il faut que je lui mette soit en esquive, soit en vie, parce qu'il faut qu'il résiste. Plutôt en vie, comme ça, les soins, ils vont bien marcher sur lui. Voilà. C'est tout. C'est tout. Ensuite, on verra plus tard pour une fois qu'ils auront lancé leur canon, on verra comment je vais mettre les points d'armure et tout. Ce sera un peu plus tard. Donc voilà, je vais lancer tout de suite le combat contre le légendaire. Ça sera notre deuxième combat de légendaire. Donc j'espère ils sont pas plus forts que le premier combat de légendaire. Genre, j'espère qu'ils ont pas fait un truc comme ça. Genre ouais, ils mettent les Genre ils mettent les ennemis légendaires de plus en plus forts en fonction de... Ah ouais, je vais charger la partie juste pour ne plus avoir ce bug d'affichage, pardon. Voilà. Ça m'énerve qu'il soit en train de saigner en fait. Ah ouais, mais je crois que j'ai des trucs anti-saignement. C'est lequel qui saigne? C'est lui. Non, mais pas tout de suite. Bon, c'est pas grave, de toute façon, j'ai le temps. Est-ce que j'ai des trucs anti-saignement? Je crois que je les ai vendus. J'ai dû les vendre. Puis, évidemment, voilà. Bref. Ah, par contre, faut que je les sélectionne tous. Ah, ils peuvent m'aborder direct. Ah, mais ça, c'est une bonne nouvelle, ça. Alors, je pensais pas qu'ils pouvaient m'aborder direct. Donc, ils ont l'air d'avoir des mecs niveau... Enfin, avec 300 PV, donc ils ont pas l'air d'être plus forts que lors du premier combat de légendaire qu'on a eu. Donc, du coup, je vais peut-être les mecs donc, en mode agressif. Donc, notre chef, on va lui mettre plus 5 agilité en consume, ça, c'est bien. Paf.
On va lui mettre les dégâts, enfin les chances de coup critique, voilà, comme ça il a 25 plus 15, 40% de chances de coup critique direct. Voilà, c'est cool. Sur notre noob, putain, il y a encore des mecs à gagner un PTB. Mais pourquoi ils ont faim? Pourquoi ils mangent pas avant? Bon, bref. Tiens, toi, je vais prendre de la vie, on s'en fout. Notre noob, on va lui mettre justement le 20% de chance d'esquive. Voilà, je pense que là, on est bien. Ensuite, les autres. Voilà, des glaces, ça c'est bien. 100% de chance. Ça c'est bien ça. Tac. Voilà, et il m'en reste deux. Alors là, c'est le choix. Soit je peux leur mettre. Je peux leur mettre Tech Tree Less Damage. On s'en bat les couilles de toute façon. Ah non, j'ai 5% de chance en plus. Off. Off. Ça me dit rien. Plutôt mec. Voilà, Tech Tree Less Damage et lui aussi. Voilà. Ou sinon, Attackers Deck Get Knocked. Ouais, c'est peut-être un peu mieux. Tac. Et voilà, on est en mode dégâts de la mort. Par contre, j'aime pas trop qu'il. Oh putain! Ah ouais, le attaqueur Gagnote, il est violent. Hein. Le mec, il a giclé quoi. Non, mais par contre, pourquoi il se met ici lui? Alors, faut qu'il reste ici par là. Alors, comment ça se passe au niveau des points de vie? Tout va bien sauf le noob. On va lui mettre encore des PV. Tac, tac, tac. Ah ouais, mais ils sont à 5 sur le noob aussi. Non mais viens ici. Mais pourquoi ils se mettent tous sur lui, les bâtards? Ah, ils l'ont lâché, ils l'ont lâché. C'est plutôt cool. Regardez le noob qui est ici. Mes autres membres d'équipage, ils sont tous à plus de 90% de vie, sauf lui 89. Mais ça fait plaisir en tout cas, ils résistent très bien. Donc voilà, le noob maintenant, ils ont lâché l'aggro. On va pouvoir le remettre dans la bataille. Pas trop non plus. Non, c'est vrai, pas trop non plus parce qu'il prend cher ce con. Alors, comment ça se passe au niveau des points de vie? 80, 80, ouais, ça se passe très bien. Putain, mon noob, il est. Il est où? 39% de points de vie. Non mais reste pas ici mec. Voilà, reste là où il y a un mec ou deux. Genre lui ou lui. Ça va, on les éclate quand même. Contrairement à la première fois qu'on avait affronté un ennemi légendaire, c'était un peu plus compliqué. C'est cool, c'est cool. Aucun objet de soin. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Super. Et du coup, on va voir combien d'argent on gagne quand on plunder un ennemi légendaire. J'y vais seulement avec mes chefs parce que j'ai peur qu'ils se suicident. Donc voilà, le combat légendaire qui a été super court. Ça, c'est cool. Oh putain, il y a un chef ici, il y a leur chef. Aaron Schwartz. On va pas... Qui n'a pas abordé, justement. Tout le monde a abordé, sauf lui. Regardez mon chef qui est full PV. Le capitaine. A chaque fois je dis chef, c'est le capitaine, hein, vous m'avez compris bien sûr. Capitaine qui est full PV hein, pratiquement, donc ça fait plaisir. Allez, il prend aucun point de dégâts quoi. Même s'il se prend des dégâts, il a tellement d'armure. Et puis, même s'il se prend des dégâts malgré l'armure, il a tellement de vie que ouais, il est mortel quoi. Voilà, combat de chef, de capitaine. Puis il tape à 48 quand même. Ouais, en plus, ouais, ça se voit là, ça prouve, n'empêche que les critiques, c'est x2 dégâts. Donc c'est vraiment rentable de mettre en point de critique. Vraiment, vraiment rentable. Énormément rentable. Oh, regardez, il a une grosse épée. Héros Legendary Ring. Héros Hilt. Qu'est-ce que c'est que ça? On va voir ça tout de suite. Héros Ring. No passive moral loss. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Et c'était quoi
L'autre, une arme. Hero Hilt. 12,50 de dégâts, mais 1,47 d'attaque speed, c'est énorme. On va regarder. Ah non, c'est pareil qu'une Viking Spear, en fait, j'ai rien dit du tout. Un peu moins de portée en plus. Autant de knock. Mais non, c'est de la merde en fait. Rien dit, j'ai rien dit. Bon. Bah voilà. Alors, mais là, par contre, ça va être chiant de remettre tout. Ils ont même pas une montée de niveau, ces connards. Ils n'ont pas tous monté de niveau. Ils ont grave faim, par contre. Donc, du coup, ouais, je vais lui mettre truc là, Hero Ring, lui. Par exemple. Ouais, et une ar leur arme, évidemment. Je crois que j'en ai oublié un. Ah ouais, non, lui, il a pas besoin de... Il peut pas porter de... peut pas porter de canne à pêche, vu qu'il peut pas pêcher. Ok, c'est bon. Ah, donc lui il a monté de niveau, le chef. Donc ouais, chance, les pourcentages de critiques qui sont très rentables, très OP. Donc on va leur monter au moins à 50% de chance. Sauf le noob qui a encore besoin de vie, etc. Donc ouais, on a du butin, ouais, c'est ça, légendaire sur les bateaux légendaires. Avec une épée assez spéciale. Par contre, il faut que vous bouffiez les mecs. Putain. Vite, vite. Allez, allez, vite. Vite, 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 les mecs. Allez! Putain, préparez la bouffe là. Ils restent là collés comme des cons. Ça va, ils vont pas mourir. Non, ils vont pas mourir. Non. Play all. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter ici pour la vidéo, je vais quand même sauvegarder, allez sauvegarder. J'ai peut-être juste aller sur une ville, voilà comme ça, avant, ou aller ici directement. Pour quoi faire? Pour sauvegarder de 1. Ouais, pour sauvegarder. Et j'ai pas regardé combien j'ai gagné d'argent, mais j'en ai pas gagné. J'ai pas gagné énormément apparemment. Donc ouais, je vais aller ici. No. Ah ouais, bah je l'ai pas encore fait. Plunder. 384 d'or, quand même, c'est pas mal. On va aller là-bas sur la ville. Ouais, juste sauvegarder. Et puis voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit, on se donne rendez-vous. Bah cliquez sur la vidéo suivante, de toute façon vous avez pas de, hein, on s'en fout. Donc voilà, merci à tous encore et puis ciao. Voilà, deuxième 2 sur 4, les deux prochaines vidéos ça se trouve, les deux dans la prochaine vidéo ça se trouve, et on finira le jeu, voilà. Ciao, ciao!